Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco, le général du Congo, ça. Savez-vous que celle-ci, on l'appelle Aïcha Kamoaz. Bon, gâteau international, tu vas mieux nous expliquer comment on appelle celle-là. Donc, nous, on sait que c'est Aïcha la Congosseuse. Alors, il y a donc un problème entre les deux. Donc, Karim, vous connaissez Karim Empire, non? Elle a encore bouffé la tontine actuellement. Aïcha nous a fait comprendre ici là que où elle vit dans la maison familiale, où elle fait quoi, où c'est dans la belle famille, où c'est quoi. Bref, gâteau, tu disais qu'on appelle celle-ci encore qui là? Fille qui a nous, la fille qui est courte comme le piment du Yamouyagola. La fille qui parle, donne soit les informations, ça est sûr. Parce qu'elle veut gagner de l'argent. Au lieu de vendre le piment en Europe, elle est là, elle est en train de parler les choses qu'elle n'a pas les informations sur. Parce qu'elle veut seulement qu'on parle d'elle. Avant de parler, toi, la tortine, j'ai la bouche comme la soupape du camion là. Il faut te rassurer que l'information est sûre. Wow, venez. Voilà, vous avez bien compris, non? Maintenant, écoutez d'abord ce qui s'est passé avant. Ok. Oh, Karim a dit que elle va acheter la maison en Tunisie, ou c'est quoi, Turquie, bon, bref, chez l'Incas là-bas. Qu'elle va acheter la maison parce que, à force de vivre dans la belle famille, le manque de respect s'installe. Ah. J'ai dit, yay. Donc, la maison que je voyais là, c'était pas pour le gars. C'était pour la famille du gars. Et qui est? Hé! D'un père comme s'il n'a pas sa maison, il est dans la famille. Ah! Et... toi, tu sais où tu as mis les pieds. Moi, je ne peux pas aller vivre dans la belle famille. Donne-moi les têtes, maman. Je te dis que... hé! Et maintenant, tu dis que tu vas aller acheter la maison là-bas. C'est juste un casseau. Vous comprenez? Ah! Femme! Non! Oh, quittez là-bas! Quittez là-bas! Vous avez compris d'où le problème a commencé. Alors donc, Karim vient à son tour. Tu m'as déjà tagué plusieurs fois dans tes vidéos. Arrête de parler de ma vie. Contente-toi de ta vie. Arrête de parler de la vie des gens. Là, c'est le post, le commentaire que Karim vient mettre sur la publication d'Aïcha. Donc, elle appelle Aïcha à ne plus parler de sa vie, de se contenter de sa propre vie. Sauf qu'elle ignore que quand quelque chose vient nous trouver sur Facebook, on a le droit et le devoir de... et même l'obligation de donner mon avis. Écoutez donc maintenant la réponse, la récupération, la réponse, le... sa réplique, la réplique d'Aïcha Kamoaz. Elle n'est pas facile, hein? Écoutons ensemble. Ok. Si vous ne voulez pas qu'Aïcha Kamoaz parle de vos histoires, ne venez pas sur Facebook. On a parlé de Tchad dans ici là. Vous m'avez vu broncher. Voilà votre boss lady Ndjansang qui se lève le matin aujourd'hui et me dit que je ne la prononce plus. Votre trafic d'influence que vous faites là. Si tu es dans ta raison, tu as l'argent, tu dis que tu es boss lady, tu es milliardaire. Ne m'attends pas au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, vous partez moyen 5 000, 10 000. Pourquoi faire le scissier aux gens? Tu prends un avocat en France. Il vient, il me poursuit ici. En France où je vis. Au Cameroun, je suis passagère. Laissez-la l'acheter. La personne qui dit qu'il a beaucoup d'argent, non? Qu'il est dans sa raison. En France, c'est un pays de droit, hein? C'est pas vos histoires que tu n'as pas raison. Tu vas aller voir le commissaire pour monnaie. Pour qu'on te donne raison. En France, tu as raison, tu as raison. Tu as tort, tu as tort. Donc si tu penses... j'ai dit quoi de mal? Maintenant, c'est Mélian, voilà votre boss Lady Ndjansang qui vient nous dire comme quoi elle a épousé un architecte. C'est venu nous trouver ça sur Facebook que le gars n'était pas architecte, non? C'est Aïcha Kamoaz qui a inventé. C'est Aïcha Kamoaz qui a dit quoi? Votre boss Lady Ndjansang était venu nous dire ça que elle est mariée à elle, qu'elle va se marier avec un architecte. C'est sorti nous trouver ça sur Facebook que le gars n'était pas architecte. J'ai moi seulement dit que la seule personne qui a le vrai what ici là c'est Mira. Parce que oui, le gars de Mira c'est un what. J'ai dit quoi de mauvais, maman? Parvenez aussi pour une fois que quand il dit quelque chose que c'est vrai, parvenez aussi me dire. Elle a fini.
dit que c'est le piment de Yamo Yamo ou c'est Yago Yago, c'est Aïcha Si, elle n'est pas facile. Donc, oh, si vous voulez m'imba de l'histoire d'un cap, machin, truc, venez à Paris. Prenez l'avocat à Paris et poursuivez-moi. De toute façon, c'est ça le 237. Ça brûle, ça chauffe. Nous sommes seulement là sur Facebook, on attend. Dès que ça nous trouve, on fait comment? Vous connaissez le code. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et laissez-moi un commentaire. Hmm? Et si tu es ancien, tu connais. Partage la vidéo. Hmm? On se retrouve le 6 mai. Où? À l'hôtel Dieuga Palace pour un événement inédit. Renaissance Music Award. À ne pas rater. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.